Cette délibération nous propose d'approuver le troisième avenant au contrat enfant jeunesse signé par la ville de Lyon le 21 décembre 2015 avec la caisse d'allocation familiale du Rhône pour la période 2015-2018. Cet avenant a un objet limité à l'intégration du développement de deux points d'accueil et d'information de petite enfance, dit point PEP, les arrondissements concernés étant le troisième pour un demi-équivalent temps plein et le septième pour un équivalent temps plein. C'est l'occasion d'évoquer le bilan d'un contrat qui s'achève en 2018. Bilan quantitatif sur le nombre de places en accueil collectif réalisées. Il manquera des places par rapport à la prévision. Des raisons techniques l'expliquent, mais au final, elles manqueront quand même aux familles en attente d'une solution d'accueil. Bilan qualitatif, et nous souhaitons que soient développées les actions concrètes et leur bilan sur les différents thèmes inscrits au contrat. Le soutien à l'accueil individuel et familial, le soutien à la parentalité, l'accompagnement des publics fragiles, le handicap, l'insertion et l'adaptation de l'offre à l'évolution sociétale. D'ailleurs, le sujet de l'évolution de la profession d'assistante maternelle et de son adaptation aux demandes actuelles nous semble essentiel pour l'avenir. C'est aussi l'occasion d'évoquer le prochain contrat qui dépend de la convention d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale d'allocation familiale. Nous suivrons avec intérêt sa déclinaison municipale et souhaitons pouvoir être informés des différentes étapes de négociation. Je vous remercie.